Je vais vous présenter les gens avec qui j'ai le bonheur de faire ce show depuis maintenant 10 ans. Ça passe, hein. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter les gens que j'avais associés à notre Elvis Vegas Band. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, nous avons, j'ai voulu à tout prix intégrer la jeune génération à notre vieille équipe. Quand je suis donc allé voir Jean-Philippe, j'ai rencontré ensuite un monsieur que vous connaissez tous ici, et qui m'a dit, ok, ça c'est génial, on va faire le truc. Et le petit jeune même soi que vous voyez là, je suis très très fier, on a été que de mes... Non, jamais fait de rock'n'roll, ça se voit, hein. Et pourtant, ils sont dedans. Hier, ils ont, pour la première fois, ils ont fait ce répertoire. Bon, on a fait que répète. Et ils sont là ce soir encore meilleurs que jamais. Je suis très 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 fier de déjà de vous présenter ces petits jeunes qui vont se lever, s'il vous plaît, levez-vous. Et d'appeler monsieur Francis Potier, que vous connaissez tous ici. C'est le plus petit, il y a 5 ans. C'est le plus petit de la bande. Alors Francis, évidemment, qui a été mon avocat, le directeur du conservatoire de l'Institut, qui est aujourd'hui à la pays. Et Francis, qui s'occupe toujours, évidemment, de tous ces musiciens en l'air, mais qui ont un talent exceptionnel. Je vais te demander, Francis, et je tiens à te remercier aussi, parce que je sais le travail que tu as fait, de présenter ces magnifiques musiciens. Ravi d'être traité de jeune. C'est un slogan qui me plaît très très bien. Alors, j'ai Juliette, violon. Violoncelle Marina, Sophie, Marie-Pascal, Morgane, et vous comprenez notre jeune soliste David. Merci, merci Francis. Bravo, je tiens à vous féliciter encore. C'est un vrai plaisir de partager ça. Ça nous rappelle nos 20 ans, Francis. Il y en a toujours 20 ans. Au piano, un homme qui a fourni un travail exceptionnel, un clavier de talent, un pianiste de talent, je vous présente monsieur Christophe Mazel. À la basse, c'est un génie. C'est un génie, c'est un virtuose. Monsieur Ruben Slavy. Je les supporte depuis 10 ans. Mais je les aime, hein. Je vais vous présenter les... exceptionnels. Les fameux frères Wilcox, Fred, Phil, Chris, Alex, Paul. Voilà. Après les huit, je vais vous présenter... Ça change, hein. Elle porte un prénom qui lui va ravir. Je vous présente la talentueuse et Tangala aussi, c'est une chanteuse exceptionnelle. Je vous le dis parce que vous savez, les gens qui font les chœurs sont des gens qui chantent juste, très juste. C'est un métier très très compliqué, très dur. Et cette jeune fille a une voix tout à fait exceptionnelle, elle fait beaucoup de galas aussi. Et je suis très heureux de la compter dans le Vegas Band depuis maintenant pas mal de temps finalement. Mademoiselle Charlotte. Ah, vous avez une autre chanteuse aussi de talent qui vient de sortir un album qui ne va pas tarder à être en promotion.
Moi, je l'ai découvert, je suis allé voir le lancement de cet album au petit journal Montparnasse. J'ai été saisi, je ne connaissais pas. Pourtant, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble, je ne connaissais pas ce talent. Elle est surprenante. Elle fait du jazz, du blues, du fusion, quelque chose d'assez compliqué et technique. J'ai découvert quelque chose de très technique quand j'ai entendu une très belle voix, une justesse. C'est parfait. Une grande chanteuse. Madame Tiandos. Je suis très très fier de vous présenter une dame que vous connaissez tous ici. Il n'y a pas une pub ou une chanson que vous n'avez pas interprétée sur sa voix. Cette dame, vous avez devant vous, entre autres, vous rappelez de notre enfance et vous les plus petits, vous rappelez de Charlotte Fraise? Elle est là, Charlotte Fraise. Voilà la voix de Charlotte Fraise. Et ce n'est pas tout. Les Coco Girls. Les Coco Girls, le mec est tout match, vous vous souvenez de ça? Barbie. Et puis, Bruce Morris, tout ça. Énormément. Et puis, la fille d'une maman célèbre, il faut pas oublier, hein? Madame Liliane Neves, vous voyez? Hein? Voilà, qui a apporté en France le Scobiton. C'est sa maman. Je vous présente une grande dame de ce beau métier, qui a connu le beau métier. Madame Liliane Neves-Boy. On les appelle les guitares héros. Vous savez, ces gens qui ont un jeu tout à fait particulier, exceptionnel. Je vous présente le grand, l'excellentissime monsieur Alexis Mattolini. Le rythme ne serait pas le rythme sans le gars qui est au milieu de tout ça. Il fait un travail tout à fait formidable. Un grand technicien. Voilà, avec qui nous faisons le travail abouti. Je l'espère en tout cas. Je voudrais remercier ce soir monsieur Alex de Boston. Now.
Allez.